Allez, c'est parti. Hey, t'as vu ça? Bon boulot, non? Hayden, il y a tellement de trucs. Il y a plus qu'à passer toutes ces infos, pas une fin. Ouais, bah t'as de la veine. Parce que dans ce merdier, les noms, c'est pas ce qui manque. Et ils sont tous liés à des trucs illégaux. Des flics pourris, le club, des manias de la finance, il y a même des notables bien sous tout rapport. Irak voulait faire chanter toute la ville. Hey, attends, c'est quoi ça? Ça vient du serveur? Merde, quelqu'un essaie de nous hacker! Putain, c'est qui arrive? On perd tout. Allez, mène-toi! Qu'est-ce qu'on doit faire? Remonte son signal! Si on localise la source, on peut bloquer son accès. Et gros pas! Je sais pas qui c'est, mais à mon avis, ça ressemblerait à du football. C'est un hacker qui marche au contrat. Un vrai connard, quoi. Oh bah, c'est quand même un pro. Voilà. Tu sais qui c'est? C'est lui. Default. Fils de pute. C'est qui ça, Clara? Il a l'air de te connaître. Je sais pas. J'en sais rien. Je vais le lire. Non. C'était pas trop difficile de les retrouver. Deux hommes, un hacker, un fixeur. Enfin, on dirait. J'ai jamais entendu parler d'eux. Je peux t'expliquer. Je voulais te le dire. Travail. Leur nom, je vous prie. Qu'est-ce qui va leur arriver? Depuis quand ça vous intéresse? Le tarif est plutôt convenable. On était d'accord. Damien Briggs et Hayden Pierce. Hayden! Quelqu'un s'infiltre. Hayden, il essaie de tout effacer, là! Faut le dégager, et vite! Hayden, dépêche! Préparez-vous! Je coupe la lime! Hayden... Qui c'était? Qui a donné l'ordre? Je savais, je te le dirai. Je te le promets. Je suis vraiment désolée. Je veux plus te voir. Oh merde. Tu peux me tracer ça? Ouais. Ouais, je m'en occupe. Fais chier. Allez, merde. Allez. Bordel. Hey, où tu vas? Cet enfoiré, il vient de nous coller un putain de virus. Il a copié tout ce qu'on avait. Il a tout effacé sur nos systèmes. Il savait exactement comment nous avoir. Je dois aller relancer la tour de backup. Sans elle, pas de default. Et sans default, pas de données. J'y vais. Non. Laisse-moi, c'est moi qui y vais. J'ai pas peur de me salir les mains. Écoute-moi, Hayden. Tu vas devoir retarder Damien, au moins pendant un moment. Damien, j'en fais mon affaire. Je t'appelle dès que j'ai fini. Bonne chance, mon frère. Mon pote le rat, ça devient une histoire personnelle. Je ne sais pas trop ce qu'il a dans la tête, mais ce default est en train de risquer la vie de Nikki. Et c'est pas le moment pour venir m'emmerder. Mais d'abord, je dois gagner du temps auprès de Damien. Où est-ce que t'es? Tu m'appelles pour me faire plein de promesses, et après, plus rien? C'est pas sympa. Cette fois,
On va se voir. Face à face. À l'ancienne, quoi. T'as prévu mon petit cadeau? Faut qu'on parle. Oh, Aiden. Dans ce cas, je choisis l'endroit. La police de Chicago vient de lancer un mandat d'arrêt contre le justicier Aiden Pierce, mais les habitants de la ville ne se cachent plus pour lui témoigner leur soutien. Par conséquent, les forces de police ont énormément de mal à obtenir des renseignements. J'ai pas les données. Damien le saura tout de suite en me voyant. Mais je peux peut-être tourner ça à mon avantage. Il a dit à Bloom qu'il leur donnerait tout ce qu'on a trouvé, y compris les infos qu'Irak avait sur eux. Il s'est mis en position délicate. T'es venu sans mes données, je suis venu sans ta sœur. On devient trop prévisible. T'as conclu un accord avec Bloom. Où t'as entendu ça? Mais il y a un problème, Damien. Ton accord dépend de ce qu'il y a sur le disque dur. Tu vas faire quoi si je te donne rien? Tu oublies un détail. Ta sœur, je passe un coup de fil et elle est morte. Alors appelle. Tu réfléchis pas beaucoup, Damien. Cet accord a fini par te piéger. Si tu tues Nikki, je te donnerai rien, moi. Tu crois que Bloom te laissera repartir tranquille? Ils vont envoyer des fixeurs et tu seras un homme mort. Alors maintenant, on va jouer selon mes règles. Appelle ma sœur tout de suite. On fait une belle équipe, Aiden. Que ça te plaise ou non. On a besoin l'un de l'autre. Ça va, t'as rien? Oui, il est à l'abri. Écoute, Nikki, juste... Bon, allez, ça suffit. J'en ai marre que tu me prennes pas au sérieux. La prochaine fois, si tu viens sans les donner, ta sœur mourra. Merde, faut pas que je traîne ici. Flash spécial. Les témoignages rapportent qu'Aiden Pierce, le justicier qu'on appelle le renard, se trouve dans le champ de Chicago. La police invite tout le monde à rester calme. N'approchez pas le suspect. Les conflits sont armés et dangereux. Vous êtes nombreux à nous envoyer des vidéos. Les Damien piratent forcément les panneaux depuis quelque part. Là, le fourgon WKZ. Faut que je coupe son signal. La police est en activité depuis plusieurs mois. Il est violent et certainement. Aiden, tu veux que je te montre comment on fait? Ferme-la, t'as rien à m'apprendre. Pas sûr. Tu sais les trucs que tu fais avec le CityOS? Là, je t'ai bien regardé. Et j'ai appris. Tu veux voir ce que je sais faire, moi? Ça m'apprendra à vouloir pactiser avec le diable. Mon pote.
pote. Ce serait pas bon pour ta sœur. Tu crois pas? J'ai redémarré la copie de sécurité. Ça va réactiver les systèmes du bunker, on n'a rien de temps. Je viens de parler à Nikki. Ta sœur? Elle va bien? T'inquiète, on va la récupérer. Je sais comment la retrouver. Pendant l'appel, j'ai entendu une annonce. Ça venait d'assez loin. J'entendais pas bien ce que le type disait. Un nom, un endroit. Tu crois que tu pourrais nettoyer l'audio et isoler ce qu'il dit? Bah, je suis pas vraiment un pro du son, mais... Envoie-moi ce que t'as, je vais me démerder. Ok, je retourne au bunker.
Non. On a encore un truc à faire. Devine ce que j'ai trouvé. L'appartement de Default. On va lui reprendre ce qu'il nous a piqué. Des règlements de compte entre gangs lors d'une fusillade explosive a reçu. Maintenant je sais où est Default. Je vais pouvoir aller récupérer ce qu'il a volé. Si Default parvient à vendre les infos d'Irak, tout ça n'aura servi à rien. Qu'elles disparaissent ou qu'elles deviennent publiques. Je n'aurai plus rien à échanger avec Damien. Mon pote, on a touché le gros lot. Où est-ce que t'es? J'ai chopé une sorte de webcam. Trouve une ligne d'accès, comme ça tu verras ce que j'ai trouvé. Dépêche-toi. Surveille la sortie, il est là-dedans. Oh, ils ont pas l'air contents. Laisse tomber les jouets, faut que tu te tires d'ici. Oh merde. Désolé, princesse. Restez sur le coup. Il y a peut-être encore quelqu'un par ici. Où il est? Engager des fixeurs. On a dû déclencher une alarme sans savoir. Enfin, alarme ou pas, eux, ils sont pas perdus de temps. Fais-toi discret. Je vais te sortir de là. J'ai trouvé quelque chose sur son ordi. En plus de trucs bizarres à propos d'un prototype. Où est-ce qu'il a pu trouver ça? Bordel, j'avais 10 minutes de plus. Qu'est-ce que t'as trouvé? Hein? Sur son ordinateur. Ah oui. Une faille. Il y a une faille. Il transporte les données sur lui, mais sur lui, physiquement. J'imagine qu'il voit ça comme une mesure de sécurité, sauf que elle est pas aussi sûre qu'il le croit. Mais ça veut dire quoi? Que si on le retrouve, on peut lui reprendre les données? Et sans qu'il le sache en plus. Il croit pouvoir se payer Raymond Kenny. Ah, tu crois ça? Mais tu sais pas ce qui t'attend. Ah, il y a intérêt que je la garde. Ah, il y a autre chose. Bordel. J'ai vu que cet enfoiré avait pitouillé des trucs dans le City OS. Ouais, il y a accès. Et c'est toi la suite.
Toi, ouais, tout le monde connaît ça à Chicago. Oh, ça va, c'est pas la peine de tripoter la chouquette. En tout cas, petit Folt a l'air d'y aller souvent. Et c'est tout ce que t'as? Non, j'ai aussi une clé de 6 gigas avec du porno de lesbienne. Ça t'intéresse? Tu peux la garder. L'Ambrose. On y allait souvent voir des films, Nicky et moi. Aujourd'hui, c'est une boîte de nuit. Default sait qu'on a déclenché son alarme. Ouais, il doit probablement m'attendre. Mon nom est Default. Bienvenue dans ma fête.
Ça y est, je le tiens. Je reste derrière lui le temps que T-Bone fasse son truc. Chicago corrompu. Tu parles d'une surprise. Par contre, je sais pas comment ils ont fait. Y a pas eu de fraude. Ils ont utilisé un genre de code bizarre. Je comprends pas ce que j'ai sous les yeux. Y a tellement de trucs, tellement de secrets, tellement de chantage possible, ça a pas de fin. Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement? Une vidéo. La vidéo d'une femme. Elle est morte depuis, mais c'est assez dangereux pour justifier une attaque contre moi et ma famille. C'est bon, on a une correspondance vidéo? Non, mon pote. En tout cas, j'ai pas l'impression. C'est sûr que c'était le serveur d'Irak? Essayez de voler ces données à quelqu'un. Et à qui? C'est pas nouveau. Non, non. Fais-moi confiance. C'est nouveau, ça. À mon avis, t'as pissé dans la bière de quelqu'un d'important. Faut que tu quittes Chicago dès que tu peux, parce que les fixeurs, ils vont pas traîner. C'est qu'une question de temps. Merci du conseil. Ouais, ouais. Je sais que tu t'en fous, mais... fallait bien que j'essaie. L'audio que je t'ai envoyé. Écoute ça. Brent Ulster, on vous demande au central. Brent Ulster. L'appel de Nicky. Il venait du même endroit que cette annonce. Brent Ulster. Parfait. Je vais essayer de trouver où il travaille. Là. Nicky est là, j'en suis sûr. Va t'occuper d'elle, mon frère.
J'ai retrouvé Nicky. Il était temps. Et Damien n'en sait rien. Ok. Faut que je fasse attention. Il y aura sûrement des gardes. J'espère qu'elle se tient prête. C'est qu'un trottoir. Ils ont engagé des fixeurs pour assurer la sécurité. Ces mecs, ils savent faire qu'une chose, mon pote. Te tirer dans la tête. Ouais, je ferai ça discrètement. Ils sauront jamais que j'étais là. Nicky, c'est moi. Aiden. Oh, où est-ce que t'es? Il y a des hommes partout. Le garde, là, il est... Je sais pas ce qui s'est passé. T'inquiète, je sais. Je viens te libérer. Reste au téléphone. Je vais te faire sortir. Non, ils vont me retrouver. Nicky, il y a une arme, là. Je veux que tu la prennes. Juste au cas où. Oh non. Non, c'est pas vrai. Aiden, je sais pas m'en servir. Il est... Il bouge plus. Nicky, faut y aller. Concentre-toi sur ma voix. Je crois que je l'ai tué. Écoute-moi, Nicky. On n'a pas beaucoup de temps. Tiens-toi prête, je vais te guider. Go, go. Baisse la tête. Allez. Il respirait encore. Le type sur qui j'ai tiré, je crois qu'il respirait encore. Peut-être qu'on devrait appeler une ambulance. J'ai pas utilisé une arme depuis qu'on allait chasser avec papa. Et c'était que des lapins. Dépêche-toi. Go, dépêche-toi. T'as vu son visage? Il n'y a pas cru quand j'ai tiré. Il m'avait apporté des couvertures hier soir. Je devrais y retourner. On peut peut-être le sauver. Nicky, concentre-toi sur ma voix. Pour l'instant, il faut qu'on te sorte de là. Oui. Ok. D'accord. C'est parti. Allez, go. Ok, maintenant. Cours jusqu'à la voiture. Monte et démarre. Et t'arrête surtout pas. Écoute-moi. Tout va bien maintenant. Mais toi et Jackson, vous allez devoir quitter la ville. Jackson, va bien.
Allez, on fait le tour. C'est pas vrai, il a pas pu nous échapper comme ça. Ça, c'est qu'un jeu pour toi, hein, Damien? Eh ben oui, juste un jeu. Je fais ça pour la déconne, ça se voit pas. Tu m'as déçu, Aiden. On était associés. Et toi, qu'est-ce que tu me reproches? D'être ambitieux? Non, d'en vouloir toujours plus. Je dois y aller. Ton hypocrisie me fait germer. Bonne route, partenaire. Les flics avaient l'air pressés de te rencontrer.